Des temps nouveaux sont arrivés. Le sable du temps s'est écoulé. Autrefois luxuriant, désormais rocailleux. Je viens d'un continent aussi jeune qu'ancien. Un continent qui a connu la religion autant que la foi. Le foyer de delta légendaires tels que l'Okavango. Depuis ses déserts brûlants remplis d'arbres centenaires, jusqu'à son rythme animal, ses villes et rues qui se profilent. L'origine de votre essence est ici. Sauvage, intacte, son potentiel endormi, résilient. Couvrant 20% de la surface terrestre, le continent africain est le berceau de l'humanité. Il est aussi le plus ancien territoire habité de la planète. Nos terres fertiles sont l'épine dorsale de la richesse mondiale et également un fil spirituel qui retient la vie de beaucoup. Tout comme nos déserts sans fin, des décennies ont été ensevelies par le sable du temps. Depuis les traces des premiers humains il y a près de 200 000 ans, nous avons connu des décennies d'héroïsme, des décennies d'émerveillement. Des décennies au cours desquelles notre continent a prospéré autant que nous. Seul le temps pouvait nous dire que l'ère de la restauration était encore à venir. Nous sommes entrés dans une ère où la dégradation du paysage est si grave que les pays africains se sont engagés ensemble à restaurer ces précieux sols. Un âge de privation, de sécheresse, mais plus important encore, un âge de réalisation. Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients que 54% du sol africain se transforme peu à peu en rien d'autre que de la poussière agglutinée? Le ralentissement économique dû à une pandémie mondiale continue d'enfoncer ces terres dans une profonde, profonde récession. Sommes-nous conscients? Sommes-nous conscients des déserts grandissants et des récoltes défaillantes? De la perte de terres fertiles, de marécages, de bétail, la liste n'en finit pas. En sommes-nous seulement conscients? Sommes-nous conscients qu'en tant que peuple, nous avons surmonté de tels obstacles? Un ancien proverbe kényan dit « Yule ambaye mbegu azijaota aacha kupanda » Celui dont les graines n'ont pas germé n'abandonne pas la plantation. Je vous présente The Grand African Green Up, notre décennie d'initiative pour la restauration des écosystèmes. Je vais vous parler d'une connaissance ancestrale de la culture Akan, Sankofa. Et de la même manière, une grande partie de nos connaissances tribales déclare « La connaissance du passé ne doit jamais être oubliée. » Ngoja, ngoja, umiza matumbo.
parce que dans cette décennie de restauration, le temps et la marée n'attendent personne. Il est évident que nous devons protéger notre bien le plus précieux, notre sol africain fertile. Pour la décennie à venir, de 2021 à 2030, 30 pays africains se consacrent à restaurer les terres endommagées dans le cadre d'une coalition nommée Initiative AFR 100. 126 millions d'hectares de terres, l'équivalent de la taille de l'Afrique du Sud. Tout cela dans les 10 prochaines années. Et nous n'avons pas fini de compter. Les plans ambitieux s'accompagnent de personnes ambitieuses. 1,2 milliard de personnes impatientes d'un âge moyen de 19,7 ans. La population africaine est jeune, à l'épreuve du futur et désireuse de rencontrer et de restaurer les terres que les générations précédentes ont perdues. Restaurer est leur mission. Cette décennie pour la restauration des écosystèmes est un moment de réconciliation avec notre environnement. Le travail de cette génération pour nos terres porte déjà des fruits. Arrimés aux mêmes objectifs que l'initiative AFR 100, de nombreux projets sont en cours et redonnent déjà vie au paysage dégradé de notre continent. Assurant la sécurité alimentaire, l'emploi et une raison de rester pour les millions de personnes qui vivent sur ces rives. Je m'appelle Simon Eliwa Chiwanga. Je viens du district de Mpwapwa. Je suis né dans le district de Mpwapwa, en Tanzanie centrale. En voyageant, vous découvrez un certain nombre de caractéristiques spectaculaires. Des formations rocheuses, par exemple. Avant, pour voyager de Mpwapwa à Dodoma, il fallait traverser une forêt dense. On évitait alors de voyager de nuit, même en étant véhiculé. Mais maintenant, on voit les animaux, on voit tout à distance, tout est clair. La déforestation. Une déforestation imprudente a eu lieu malheureusement. J'ai donc vu l'appauvrissement des forêts, de la terre, des sols cultivables, des sources d'eau, et cela m'a fait mal. Il y a une énorme différence entre avant et aujourd'hui. Enfant, j'observais une dynamique engagée. Ceux qui se disent théologiens parlent de ministère holistique, ce qui signifie que vous servez la personne entière. Pas seulement le spirituel, mais aussi le physique. Et cela a été mon point de vue, ma force motrice. En 2010, j'ai donc créé la Fondation LEAD. J'ai fondé l'organisation Les Mains Vides. Mais je crois que c'était mon dada. Mais je crois que c'était mon dada de donner ce que je pouvais, vous voyez. Et j'ai donné. J'ai donné ce que j'ai pu donner. Qui c'est qui a est la réponse. C'est la vraie réponse à notre situation environnementale ici. J'étais avec le commissaire régional, le gouverneur de cette région pour une opération ce matin. Ils ont dit, monsieur, nous avons formé pour vous 700 champions dans les villages de la région. Et nous en aurons bientôt 600 autres. À ce stade, le projet a vraiment décollé. Tout cela deviendra vert. Tout cela deviendra vert. Ces projets où les arbres matures repoussent à partir de souches restantes, où informer nos populations et former nos agriculteurs sont la priorité numéro un, ces projets sont les exemples nécessaires et extensibles dont nous avons besoin. Ils ne reverdissent pas seulement l'environnement. En même temps, ils fournissent à nos populations des sources de revenus alternatives et nécessaires. En tant que fils de mère célibataire, je n'ai pas pu payer mes frais universitaires lorsque j'étais en deuxième année. Donc, lors de ma dernière année à l'université, j'ai décidé de mener une recherche pour savoir
Pourquoi le rendement de la ferme de ma mère n'a pas pu financer mon éducation? Il a été démontré que le déclin soudain des activités agricoles était attribué à 1. Les feux de brousse pour survivre, 2. Les arbres qui servent du puits de carbone sont également coupés pour le charbon de bois. Toutes ces choses entraînent un changement climatique traumatisant dans la région et la dégradation des terres. Nous avons donc décidé de trouver la meilleure source alternative de revenus pour nos femmes qui sont vraiment engagées dans ces activités. Nous avons développé un modèle économique pour l'apiculture intégrée et la plantation d'un acardier. Nous recrutons les femmes dans les différentes communautés avec lesquelles nous travaillons. Nous les formons aux bonnes pratiques de l'apiculture intégrée et de la plantation d'un acardier. Nous leur achetons leurs produits. Nous nous occupons de l'emballage et les distributions sur le marché. L'objectif est de créer des emplois durables. Parce que nous ne pouvons pas les empêcher de brûler la brousse ou de couper illégalement les arbres et de faire du surpâturage sans leur donner une source alternative de revenus durables juste en se substituant à leurs activités. Et cela marche vraiment à la perfection. Pour reverdir notre environnement, nous devons créer les emplois durables de demain et éduquer nos enfants dans un environnement écologique plus responsable, car nos enfants sont porteurs de l'avenir de notre continent. Et avec nos sources de revenus durables, on s'assure également de l'éducation environnementale de nos jeunes. Nous sommes appelés à être de bons intendants de la Terre. Et vous savez ce que font les bons intendants? Les bons intendants prennent soin de la Terre, prennent soin de la planète. Et ils la laissent meilleure qu'ils ne l'ont trouvée. Ils la laissent en bon état. Je ne ferai pas de mal à la nature parce que je suis censée être un bon intendant. Et pour nous assurer que nous laissons cette planète en meilleur état que nous l'avons trouvée, pour s'assurer que tout en cultivant la terre, nous la gardons belle pour les prochaines générations, j'ai emmené des enfants dans l'un des cours d'eau pollués de Nairobi. Je me souviens d'une question que l'un des enfants m'a posée. Qui a fait ça? Donc, cela indique que les enfants veulent vraiment faire quelque chose pour l'environnement. Mais nous devons faire en sorte qu'ils se sentent connectés à la nature et nous devons également leur faire comprendre les défis auxquels la nature est confrontée, tout en s'assurant de les rendre acteurs de la solution. Parce que nous ne pouvons pas les laisser de côté lorsque nous restaurons nos paysages. L'Afrique est le continent de la jeunesse. Il y a du pouvoir dans la jeunesse. Alors je sens que la jeunesse va être la clé pour toute idée qui va prendre racine. Je m'appelle Rocky Dawini. Je suis un musicien ghanéen. Je crois que la musique est un levier pour la transformation sociale. Je me suis souvent concentré sur l'autonomisation. J'ai toujours cru qu'une société n'est forte que lorsqu'on est en mesure d'encourager et d'améliorer les nouveaux dirigeants. Alors j'essaie d'utiliser ce pouvoir en démarrant des conversations avec les gens. Nous sommes nés dans cet endroit incroyable et magnifique, cette terre. Vous mettez une graine dans le sol, elle pousse. La terre nous donne gratuitement. Ainsi, l'eau qui coule est suffisamment propre, vous la récupérez. Vous pouvez boire l'eau, vous pouvez l'utiliser pour cuisiner. Donc toutes ces ressources nous sont données, une partie de notre écosystème. J'ai le sentiment qu'une espèce évoluée reconnaît vraiment ses avantages et fait tout son possible pour ne pas en abuser. Dans tout mon plaidoyer, j'ai senti que j'avais juste besoin d'être un catalyseur pour que les gens passent à l'action. Parce qu'à long terme, il s'agit de la protection de la vie et de la protection de la création. Je suis fière parce que nous avons appris à beaucoup d'enfants à préserver l'environnement. Et ils ont toujours hâte d'en savoir plus. Et ils reviennent pour en apprendre davantage. Quand les enfants apprennent la protection de la nature,
ils retournent dans leur communauté et répandent le message. Je rêve d'un monde où nous pourrions mettre les gens et la planète au-dessus du profit. Nous devons nous assurer que tout le monde est attentif à l'état dans lequel ils laisseront cette planète pour les prochaines générations. C'est aujourd'hui mon rêve pour le monde. Un peuple qui veillera à ce que nous soyons conscients de la façon dont nous laisserons cette planète pour toutes les générations à venir. Un rêve partagé par chacun de nous. Nous sommes prêts à reconstruire un avenir africain vert. Un avenir où notre peuple et notre planète vont de pair. Bon, la restauration de l'environnement est d'autant plus importante qu'elle devient une exigence. Il le faut. Nous n'avons plus le choix. Nous avons intérêt à reboiser notre environnement. Sinon, nous allons droit au mur. Le monde va compter demain sur l'Afrique. Parce que l'avenir, c'est l'Afrique. Ça, il faut le dire. L'Afrique peut nourrir un tiers de la planète si vraiment ses potentialités sont bien exploitées. Moi, j'y crois. Il faudra tout simplement davantage sensibiliser la jeune population. Et pour ce faire, il faut que l'enfant, dès le bas âge, qu'on lui inculte des valeurs environnementales. Donc, il est possible d'avoir une belle Afrique avec toutes les potentialités. Maintenant, je demande aux jeunes de rester chez eux, d'y croire et de développer cette Afrique-là. Nous encourageons tout le monde à se sentir concerné. Tout le monde est concerné. Si vous avez une idée, pensez-y, parlez-en, priez pour cette idée, puis levez-vous avec une réponse. Faites-le. Si vous attendez des réponses claires sur tout, vous n'y arriverez jamais. Faites-le. C'est en faisant que notre vision se clarifie, s'aiguise, se renforce et se concentre. Le point auquel nous sommes arrivés est un point de non-retour. Cela ne fait aucun doute. C'est faisable. C'est faisable. Jouez votre rôle. Un peu plus du tiers de la crise climatique peut être résolu par des solutions fondées sur la nature. La restauration des paysages n'est pas seulement une solution pour le continent africain. Les forêts du monde, ainsi que ses océans, absorbent d'énormes quantités de dioxyde de carbone qui circulent dans notre atmosphère. La puissante forêt tropicale du Congo, avec l'Amazonie, sont effectivement les poumons de la Terre. Et la protection de ces poumons est notre tâche cruciale. Les écosystèmes soutiennent toute forme de vie sur Terre. Plus nos écosystèmes sont sains, plus la planète et ses habitants seront en bonne santé. Dans le cadre de notre initiative de restauration, la République démocratique du Congo s'est engagée à restaurer des millions d'hectares de terres dégradées au cours de la prochaine décennie. Partout sur notre continent, ces exemples existent, non seulement au Congo, mais des pays comme la Tanzanie, Madagascar, le Ghana, le Kenya et le Sénégal ont des ambitions similaires. Aujourd'hui, l'urgence de protéger et de restaurer les écosystèmes endommagés n'a jamais été aussi cruciale. Le monde naturel soutient toute vie sur Terre. Et avec des écosystèmes plus sains, nous devenons une espèce plus saine. La restauration du paysage est un investissement d'avenir obligatoire qui affecte et produit des bénéfices à chaque étape. Notre tâche à accomplir est de restaurer la productivité de 126 millions d'hectares de sol africain dans la prochaine décennie. Un accomplissement de grande responsabilité confié à un continent avide et jeune qui prospère fièrement pour demain.
veux que vous compreniez que nous partageons tous la même responsabilité. Cet avenir deviendra bientôt notre histoire. Parce que nous avons déjà commencé une initiative sans précédent. Bientôt, ces eaux atteindront les graines. Et quand elles pousseront, nous croirons. Elle nous montrera des fleurs qui n'ont jamais fleuri et créera des opportunités que personne n'aurait jamais imaginées. Les nutriments dans ces sols produiront, créant des champs de verdure en une quinzaine de jours. Elle peut attirer des pluies qui couleront toute la nuit et créer des herbes succulentes pour que la faune s'épanouisse. Elle respire la planète. Elle nous donne le souffle de vie. Elle est la réponse pour éviter notre disparition. Elle nous a donné le pouvoir. Elle nous a donné la vie. Tout ce qu'elle veut en retour, c'est que nous survivions.